La France, au secours du régime en place à N'Djamena, les Mirage 2000 de l'armée française ont effectué des raids contre une colonne des éléments de l'Union des forces de la résistance entrée dans le nord du Tchad en provenance de la Libye. Jeudi, le président tchadien s'est voulu rassurant. La colonne des mercenaires a été complètement détruite, a déclaré Idriss Déby Itno, non sans remercier la France. Alors que l'opposition tchadienne a qualifié d'inappropriée cette intervention française qui, à ses yeux, viole le droit international, mais pour le parti au pouvoir à N'Djamena, cette intervention s'inscrit en droite ligne des accords de coopération qui lient le Tchad et la France. En 2008 déjà, la France avait sauvé le pouvoir d'Idriss Déby en stoppant les rebelles à quelques pas du palais présidentiel de N'Djamena.